Bonsoir les amis et bienvenue à cette 7e émission des Talents Confinés du Grenier. Les Talents Confinés du Grenier qui vont bientôt se déconfiner, mais nous sommes encore dans le confinement provisoire. Voilà, donc ce soir encore plein d'invités exceptionnels. Le premier invité, vous l'avez très certainement entendu à la radio sur Rire et Chanson, également sur France Inter ou France Bleu, dans différents passages télé également, vous avez pu le voir. C'est un humoriste qui nous fait le grand plaisir de nous rejoindre ce soir. Il s'agit de Ville Détroit qui est avec nous. Et on va vous lancer un extrait de son spectacle, de son best-of. J'ai envie de dire Lolo Magnéto. C'est parti. L'autre jour, je vais vous prendre le train pour un moment. Ma mère, elle habite à Lyon et moi à Paris. Donc, je suis allé gare de Lyon, hein, puisque pour aller de Paris à Lyon, c'est la gare de Lyon. Et ça, c'est très bien fait. Il faut le dire. Non, parce que la gare d'Austerlitz va pas à Austerlitz. Et c'est pas facile de prendre le train si on respecte Vigipirate. Sur le quai, il y a écrit « Éloignez-vous de la bordure du quai ». Comment on monte dans le train? J'ai demandé au contrôleur, « Écoutez, monsieur, c'est quand le train est pas là ?» Eh ben, quand le train est pas là, on n'est pas là non plus. Fais-vous des fois, le train entre en gare sans crier gare. Eh ben, nous monte bien dans le train sans crier train. Et les annonces, ce train ne prend pas de voyageurs. Ben, qu'est-ce qu'il y a de là, alors? Mais le pire du pire, c'est dans le train lui-même, dans les toilettes. Ne pas utiliser à l'arrêt, faut pisser en marchant. Je sais pas si t'as déjà essayé de pisser dans un train qui roule. Je sortirai quand je serai sec. Enfin, faut pas se moquer, ils ont fait des progrès énormes, parce qu'avant, on sortait de la gare, ça faisait un chaud et froid, ça faisait l'angine, ouïouïouï. Ça peut plus arriver, tout est prévu, tout, tout. Sur les portes de la sortie, il y a écrit « Pull ». Docteur. Tout est prévu, sauf pour acheter un billet au distributeur automatique, là, il faut avoir fait Matsubs P+. On va distributeur automatique, le voilà, en service, chance. Il y a un écran. Bonjour, désirez-vous un billet? Si vous désirez un billet, appuyez sur l'écran. J'appuie sur l'écran. Billet seul, réservation tout train. Je ne vais pas réserver dans tous les trains. Voilà, réservation tout train. Avez-vous déjà un billet? Je recommence. Billet seul, quelle est votre gare de départ? Paris, Versailles, autre. Paris, quelle est votre gare d'arrivée? Angers, Brest, Paris. Ouais, de Paris à Paris, je peux peut-être y aller en vélib. Ah, j'ai bon, oui, autre gare. Pour les autres gares, t'appelles les trois premières lettres de la gare. G-A-R. Il n'y a pas de gare commençant par gare. J'ai mal à la tête. Vous voulez partir dès que possible, aujourd'hui, demain, après-demain, autre jour. Dès que possible. Pour partir dès que possible, adressez-vous au guichet. Je partirai demain. Demain, quelle est votre date de départ? Demain. Quelle est votre date de départ? Demain. Quelle est votre date de départ? Autre jour. Quel est votre jour de départ? Demain. Je t'ai niqué, saloperie. Désirez-vous un billet retour? Oui, non, j'ai mal à la tête. Oui, vous voulez revenir dès que possible, aujourd'hui, demain? C'est-à-dire que je voudrais partir avant de revenir. Si vous ne désirez pas de billet retour, tapez « retour ». Retour. Bonjour, désirez-vous un billet? Non! Je veux voir mon maman.
Voilà, Gilles Détroit va être avec nous dans quelques instants. Voilà, il est en direct, je crois, Gilles. Salut Gilles. Salut Gilles, est-ce que tu nous entends? Tu nous entends? Allô, allô? Ah, on l'entend, mais je ne suis pas sûr qu'il nous entende. Gilles, mets-toi dans un endroit où on peut t'entendre. Voilà, j'entends, moi, mais je vois rien. Bah, il faut que tu vois et que tu entendes, sinon ça va être compliqué, Gilles. Non, mais déjà, j'entends, c'est déjà pas mal. Voilà, mais les gens ne te voient pas, là, Gilles. Hein. Il faut que tu te mettes dans un endroit... Comme vous le voyez, noir. Gilles Détroit n'est pas adepte de la technologie. Voilà, on a un petit peu du mal à communiquer depuis quelques instants. Alors, voilà, dès que Gilles est posé, j'en profite pour vous dire que le grenier va réouvrir cette semaine, depuis le déconfinement qui vient d'être annoncé. Donc n'hésitez pas, vous pouvez commencer à réserver vos soirées au grenier, 01 43 80 68 01. Et puis, on vous accueillera avec grand plaisir pour fêter ce déconfinement. Alors, Gilles, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. J'entends tout ce qui se passe. Très bien. Alors, écoute, En fait, je suis dans le noir parce que pour me voir, il faudra venir au grenier. D'accord. Bon, alors Gilles, quelques questions. Déjà, comment ça va? Comment tu as vécu ce confinement? Je l'ai bien vécu. Enfin, assez bien vécu. Parce que j'étais pas tout seul, j'étais en famille. Ah, très bien. Ça me permet de se taper sur la gueule, mais que personne n'entend de rien et personne ne soit au courant de rien. Et alors, Gilles, deux, trois petites questions. Tu es né à Paris, c'est ça? Neuilly-sur-Seine, j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Pardon? Tu es né à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que tu es né à Neuilly-sur-Seine, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Tes parents étaient dans le spectacle? Pas du tout. Alors, comment tu as atterri dans le spectacle, puisque j'ai lu que tu étais dans la pub juste avant? Ah bon, j'étais dans la pub, absolument. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'écrire des trucs pour des maillots de bain et je me suis dit, tiens, je vais faire des sketchs. Et donc, tu as démarré, c'est toi qui as écrit ton premier spectacle? Voilà. Ah, j'ai écrit mon premier spectacle et j'ai démarré, pas tout à fait, mais presque au grenier. Eh bien, oui, il paraît, dis donc, au grenier. Tu as démarré à l'époque où c'était une crêperie encore. C'était une crêperie. Voilà, exactement. C'était une crêperie. C'était avant l'an 2000. C'est dire. Exactement. Ça ne nous rajeunit pas. C'est pour ça que vous n'avez pas la photo. C'est pour ça que vous n'avez pas l'image, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'image. Là, on te voit, Gilles. Ça y est, on a de nouveau l'image. Il faudrait recules la caméra, voilà. Je n'ai plus, moi. Alors, Gilles, oui. Quel est l'humoriste qui t'a donné envie de faire ce métier? Ah, moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Fernand Reynaud au départ. Donc, c'est très éloigné de moi. Mais j'adorais Fernand Reynaud. Et j'adorais Guy Bedos aussi. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais c'est une chose que j'aimais beaucoup. Voilà. Et comment, alors, quel conseil tu pourrais donner à tous ces jeunes qui viennent au grenier pour essayer de faire des scènes ouvertes et essayer de faire ce métier? Comment tu les conseillerais? Je leur dirais de changer de métier. C'est-à-dire que c'est un métier d'image et quand on n'en a pas, on est un peu dans le caca. Bon, Gilles, en tout cas, on essaiera de se rappeler dans de meilleures conditions techniques pour que les gens te voient un petit peu quand même. Ouais, tu reprends la tournée du spectacle? Tu repars en tournée? Je repars en octobre aux Deux Ânes. D'accord. On va mettre ton site internet en ligne. Lolo va nous afficher ça. Voilà. Et on essaiera de se reparler ultérieurement dans de meilleures conditions techniques. Plaisir. Avec plaisir et bonne émission. Hein. Merci Gilles, à très bientôt. À bientôt, salut. Voilà, salut. Et ben c'est du direct. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez? Voilà, ce sont les conditions du direct. Tout de suite, nous allons retrouver nos prochains invités. Ils sont deux, incroyables, ils se sont reproduits. Mais vous allez voir que ce sont vraiment des gens très intéressants et incroyables. Déjà, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux, alors vous allez voir, ce sont des magiciens. Et donc tout de suite, je vais dire
pour lancer le sujet, Lolo Magnéto. Joséphine, tu n'as pas pris du rideau rouge. Et Sabine. Sabine, qu'on applaudit bien fort. Tu vas prendre cette ficelle, Sabine. Tu vas tirer dessus pour voir si elle est bien solide. C'est bon. Laurent a passé son poignet à l'intérieur. Et là, Sabine, tu vas faire un double nœud. Tu peux serrer, mais tu n'arrêtes pas le sang. Merci, tu serres. Dépêche-toi, Sabine. Super. On laisse prendre des corps. Laurent passe son poignet à l'intérieur. Et là, Sabine, toujours face au public. Tu fais un double nœud. Montre bien que tu serres. Voilà. Et là, tu peux serrer. Ça lui rappellera sa jeunesse. Voilà. C'est serré. Maintenant, Sabine, tu vas faire la même chose, mais à la gorge. Par contre, il faudra moins serrer pour deux choses. Premièrement, c'est mon jumeau. Et deuxièmement, j'ai besoin de lui pour le numéro. Par contre, s'il y a des enfants dans le public, il est interdit de faire ça. Il n'y a que les magiciens ou que les mamans qui veulent dégager papa. C'est... Sabine, un double nœud, et là, tu serres moins que le poignet, s'il te plaît. Voilà. Doucement son nez, hein. N'oublie pas les queues. Voilà, un double nœud, s'il te plaît. Très bien. Maintenant, tu tiens ta ficelle et tu la serres exactement comme moi. Tu prends ta ficelle, tu la passes sur l'épaule et tu la récupères sous le bras et, et tu reviens dedans. Super. Sabine, un deuxième tour un tout petit peu plus bas. Et tu reviens ici. Et là, une chose importante, un double nœud sur sa plaquette de chocolat. Moi, là. C'est pas ton prénom ? Cédric. Cédric, faut pas se moquer de Laurent, il a repris le sport hier. Laisse-lui un peu de part. Voilà, Laurent, c'est moi. Mais non, c'est pas méchant. C'est moi, Laurent. Et maintenant, Sabine, ce n'est pas terminé. Tu l'as dénigoté les jambes. Lui qui rêvait d'être un saucisson cachet. Et là, Sabine, tu peux serrer. C'est pas méchant. Vas-y. En plus, c'est serre. Vas-y, serre. Tu mets le bois. Je te le dirai tout à l'heure, on quitte dans 10 minutes. Bon, mais non. Donc, un verre où il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Sabine, rien. Joséphine, il n'y a rien. Le verre, je le mets entre les jambes de l'autre. Maintenant, Joséphine, est-ce que tu peux me prêter ta cigarette? Merci, et ton briquet. Super. La cigarette et le briquet dans le verre. Et là, nous allons compter. Tous et tout. Jusqu'à 3 pour voir si mes esprits sont là. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. 1, 2, 3, 6. Les esprits sont là parce que la cigarette est allumée dans la bouche de Laurent. Bravo. Ah. Tiens, José, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas du tabac dedans. T'achètes tes cigarettes à Barbès ou quoi, toi? Ouais, les bizarres, t'as pas un cendrier? Non. Et comment je l'éteins? Bah, prends la veste du beau cœur. C'est vrai? Est-ce que tu peux me prêter ton blouson, s'il te plaît? Merci! Super! Ouais, enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je vous ai dit que j'ai besoin de toi. Je vais te poser une question. Pour la réponse, tu me réponds ce que tu veux, mais tu dois me dire oui. Est-ce que tu aimerais que je fasse un trou dans la veste de Cédric? Ah oui. Oui. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur, on va faire un trou au milieu. C'est vrai qu'elle est bizarre ta cigarette. Je prends la cigarette de Joséphine et je la mets dans le blouson de Cédric. Ah, ne pas te moquer de Laurent. J'écrase bien la cigarette. Ouais, là, je prends un peu de poudre magique que je mets sur le manteau de Cédric. Maintenant, Joséphine, tu dois souffler sur ma main. Si tu as le souffle magique, je rends le manteau à Cédric. Et là, on les applaudit bien fort tous les deux. Par contre, si tu n'as pas le souffle magique, il faudra le rembourser parce que c'est toi qui m'as dit de brouiller. Allez, à trois, tu feras beau souffle de magicien. 1, 2, 3. Oh oui, elle a le souffle magique parce que la cigarette a disparu. Bravo, je t'ai dit. Le blouson de Cédric que je mets sur les genoux de Laurent. Et sur les mêmes. Eh bien, garde-le. Maintenant, mes noisettes, vous allez dire au public si je me demandez. Est-ce que vous êtes ça? Ouais. Nous allons compter tous et toutes jusqu'à 3 pour voir si les esprits sont là. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, 4. Ha ha.
Les jumeaux magiciens sont avec nous ce soir. Bonsoir les gars, comment ça va? Super, et toi, Sam? Eh, alors, première question. On rentre du bar, là. Pour, comment? On est rentré du bar, spécialement pour toi. C'est sympa, les gars, d'avoir mis l'image. Ça nous fait du bien. Alors, déjà, pour les gens qui nous regardent, qui est Laurent, qui est Claude? Alors, Laurent, c'est celui qui a une alliance, et Claude, c'est celui qui a les cheveux gris. Alors, c'est vraiment très original. Il n'y a pas beaucoup de duos jumeaux, des vrais jumeaux comme vous. Si, il y a les Bogdanov. Il y a les Bogdanov, il y a les French Twins, des magiciens aussi. Voilà, mais des jeunes magiciens. Nous, on est les vieux. On est les vieux. Alors, les gars, vous êtes nés où, vous? Un petit peu, racontez-nous votre parcours. Alors, on est nés le 15 décembre 1965 à Paris d'Inchem. Voilà. Des Parisiens. Vous avez toujours fait de la magie. On a grandi à la Courneuve et on a un grand frère qui a un ami magicien. Et voilà, il s'avère que cet ami travaillait avec Dominique Webb et cherchait des jumeaux. Donc, le copain de nos frères nous a présenté à Dominique Webb et c'est parti comme ça. Alors, ce qui est génial en fait, c'est que quand on vous engage, on en a un pour le prix de deux. Ouais, voilà. Ou des fois je viens tout seul et Claude, il est payé deux fois. Alors, vous produisez où? Racontez-nous un petit peu votre parcours artistique, qu'est-ce que vous faites? Vous aviez un projet de date sur Paris? Et puis, après, avec le confinement, bien sûr, ça a été reporté. Voilà, ouais. On devait jouer au BO Saint-Martin. Voilà, on avait 6 dates de prévues. Après, on devait enchaîner avec une semaine à Saint-Étienne. Et après, faire le Festival d'Avignon. Et voilà, tout ça s'est tombé à l'eau. C'est pas difficile de travailler avec son frère au quotidien? Non, une fois que tu sais qu'il est relou, tu le sais, quoi. Bon, vous nous avez préparé un petit quelque chose, une petite surprise pour les gens, là. Ouais. Laurent va nous faire un tour de magie. Alors, allons-y, Laurent. Alors, un jeu de cartes. Je le mélange. D'accord? Je me lève un peu pour bien voir. Est-ce que tu connais toutes les cartes? Non, pas toutes, non. Bah, celle-là, c'est quoi? Ça, c'est une dame de trèfle. Regarde, je la mets là. Maintenant, tu me dis stop quand tu veux, avant la fin. Stop. Quelle est cette carte? Je vois pas. Le 9 de carreau. Je savais que tu allais la choisir. Et pourquoi? Si, regarde, c'est la seule qui est rouge. Ouais. Regarde, là, tu as la dame de trèfle. Tu prends le 9 de carreau, tu fais abracadabra, même en magie. Tout le monde a son jumeau. Bravo, bravo. Alors, c'est moi qui l'ai appris. Bon, les gars, alors, vous êtes venus jouer au grenier quelques fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette petite salle qui est une des dernières salles parisiennes? Alors, ce qu'il y a de bien au grenier, déjà, il y a une super bonne accueil. Il y a des Coco, Jean-Marc, toi, Seb, Mélissa et toute la clique. Voilà, on passe des super moments avec nous, on rigole bien. Et ce qu'il y a de génial, c'est que le public est proche de nous. Et voilà, donc tu es obligé de faire 10 fois plus attention aux manips. Et voilà, donc pour ça, c'est bien. Et puis de vous retrouver tous et de revoir des potes comme Terry, comme David Bugnat, tout ça. Voilà, passer de bons moments avec tout ça, ça fait du bien. Eh bien oui, ça fait du bien, surtout qu'on va pouvoir remonter sur scène enfin. Ça a été annoncé hier. On va réouvrir à partir de samedi. C'est déjà complet samedi. Voilà, mais en tout cas, on espère vous voir très vite au grenier. On va tout de suite vous faire un petit coup de promo. On peut vous retrouver sur votre site internet, lesjumeauxmagiciens.com. N'hésitez pas à aller visiter leur site. Et puis, les gars, on se dit à très vite au grenier alors. Et on se rappelle tout à l'heure, on sera au bar, tu nous rappelles pour les dates. Je vous rappelle tout à l'heure, ouais. Ça marche. Merci les gars, merci beaucoup, à bientôt. Allez. Voilà, à l'instant, les jumeaux magiciens étaient avec nous. Le troisième invité, nous allons l'avoir dans quelques instants. Nous sommes très heureux de le recevoir parce que ce n'est pas un humoriste. Vous allez voir, c'est un sportif de haut niveau. C'est un des plus grands patineurs français.
Il a démocratisé le patinage grâce à sa personnalité, à sa bonne humeur. Il adore rigoler. C'est pour ça qu'on l'a aussi sur notre plateau. Dans quelques instants, nous aurons la chance de recevoir Philippe Candelero. Tout de suite, un magnéto. Et j'ai envie de dire, hey, Lolo, magnéto. Et voilà quelques images de notre ami Philippe Candelero qui est avec nous ce soir. Salut Philippe, comment ça va ? On a avalé un petit bout de pain avant de pouvoir attaquer cette émission avec vous là. Merci beaucoup Philippe pour ta présence. Écoute, on a regardé quelques images incroyables que tu nous as communiquées sur ton parcours et quelques images sur l'Asie, c'est ça ? Tu as un succès fou en Asie aussi. Oui, en fait, j'ai eu un gros succès au Japon, là, tout de suite, derrière le succès d'Alain Delon. j'ai failli lui piquer la vedette, d'ailleurs, pendant un petit moment. Et puis, les fans sont toujours là. Alors, il y en a moins en masse parce que le temps passe et qu'en plus, entre-temps, ils ont eu des championnes et champions olympiques japonais. Donc, forcément, ils sont partis un petit peu plus vers eux. Et puis moi, ma foi, je vais toujours deux ou trois fois au Japon par an parce que je suis encore invité dans des spectacles là-bas. Parce que j'avais monté avec un producteur une série de shows où j'invitais des copains patineurs. Donc, par respect, ils continuent à m'inviter même malgré mon vieil âge. Ton vieil âge, tu exagères quand même ton vieil âge. Alors, pour un sportif, c'est vieux, on va dire. Oui, c'est vrai. Alors, écoute, j'ai lu plein de choses sur toi. Tu vas me dire si c'est vrai. Moi, tu sais, je ne suis ni journaliste ni présentateur. On a créé cette émission pour parler du lieu, du grenier. Alors, j'ai lu une chose, voilà, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai lu ça, l'odeur, tout a commencé par une odeur, non plutôt un parfum. Oui, un parfum. Je réalise que l'odeur de la glace a fait basculer ma vie. Tu avais 7 ans,
quand l'aventure du patinage a démarré, c'est ça? C'est ça, avec l'école, en fait. Je suis rentré là-dedans. Puis, en fait, c'est une odeur un peu particulière parce qu'il y a toujours cette humidité qui est constante avec les échanges des frigories entre le chaud et le froid. Et donc, ça dégage une certaine odeur, ça s'imprègne des vêtements, même que mon frère, quand je rentrais à la maison, il me disait ah, « tu sens la patinoire ». Donc, ah bon, carrément. C'est vrai, après, moi au bout de 40 ans, je la sens plus l'odeur, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine, dans toutes les patinoires, vous aurez une certaine odeur qui va s'imprégner en vous si vous y passez plus de 5 heures par jour, quoi. Alors, derrière tous ces spectacles que tu as créés, cette réussite, parce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as réussi à démocratiser le patinage artistique, tu as vraiment, enfin moi je trouve que tu as vraiment ouvert à n'importe qui cet art qui était un petit peu fermé à la base, et grâce à tes créations, tu as réussi à donner envie aux gens d'aller voir ces spectacles. Est-ce que tu pensais, quand tu as démarré, arriver à ce niveau-là? Bah, en fait, il y a deux choses. Quand on commence à 7 ans et demi un sport, on ne sait pas vraiment où on va. Il faut que les parents fassent confiance à l'entraîneur qui m'a découvert. Et, parce que moi, ce n'est pas moi qui ai eu envie de faire du patinage. C'était une activité scolaire. Donc, j'ai découvert ça un petit peu par hasard. Après, forcément, il y a eu quand même toutes les étapes du sport-études, à travailler 6 heures par jour dans le sport, seulement 3 heures de scolarité par jour. Il fallait faire des choix au moment de la sixième, ensuite de la troisième, savoir si je continue dans le sport ou si je continue dans les études. Parce que je pense que les deux, c'est pratiquement impossible à faire. On finit toujours par foirer l'un ou l'autre si on veut faire les deux. Mais voilà, donc il y avait tout ça. Et puis après, il y a eu la notoriété qui est arrivée avec évidemment tout ce que j'ai pu croiser sur ma route. Et effectivement, bon, il y a eu ce côté populaire parce que je suis venu avec des idées un peu novatrices, un peu différentes de ce que mes collègues russes avaient l'habitude de faire avec les moukakettes, comme on appelait ça à l'époque, et le strass. Donc, moi, ouais, et puis, en fait, je ne suis pas arrivé là tout seul. Tout ça, c'est une histoire avec la rencontre des Duchesnais, peut-être le malheur de ne pas avoir été sélectionné aux Jeux d'Albertville. Tout ça, c'est un tout, en fait. Hein. C'est eux qui m'ont montré un petit peu la voie, les Duchesnais, à créer des programmes à thème, parce que je trouvais ça plus intéressant à la fois pour moi comme pour le public qui nous regardait, parce qu'ils avaient une histoire à suivre. Alors, comment tu prépares un nouveau spectacle? J'ai vu sur ton site internet, qu'on donnera tout à l'heure à l'écran pour que les gens aillent le visiter, que tu as des thèmes bien particuliers. Comment tu t'inspires de ces thèmes? Comment tu lances un nouveau spectacle? Alors, ouais, moi j'ai commencé par Conan le Barbare parce que ça me donnait un côté un peu plus viril au lieu de faire des gestes chorégraphiques qui ressemblaient à rien, en plus à des, on va dire, à des styles de figure de danseurs. Ben, avec le poing fermé, tout de suite ça prenait une virilité qui empêchait en plus mes copains de l'époque de me traiter un peu de tarlouse sur glace, quoi. Donc je me suis battu toute ma vie un petit peu contre ça. Aujourd'hui, c'est vrai que comme personne peut dire ce mot-là au point de blesser ou d'être traité de sexiste ou d'homophobes. Bon, voilà, aujourd'hui, on est un peu plus libérés. Les gens sont un peu plus tranquilles quand ils font une activité qui ressemble à des sports qui sont un peu plus dédiés aux femmes qu'aux hommes. Mais ma foi, le patinage est un sport très difficile et c'est ce qui m'a plu quand j'ai attaqué ça. Ensuite, la question, c'était… Comment tu lances un spectacle? J'ai oublié déjà. Ah oui. Alors, avec Conan le Barbare, ça a démarré. Ensuite, je me suis fait un peu prendre au piège parce que les thèmes, les histoires plaisaient. Donc, il y a eu le parrain que j'ai fait en 1994 et qui m'a valu une médaille aux Jeux Olympiques. Et puis après, bah, j'avais pas le choix que de créer à chaque fois un nouveau thème. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se demande où va avoir lieu le championnat d'Europe et le championnat du monde que nous avons tous les ans. Et en fonction du pays où ça va se dérouler, on essaie de choisir un thème un peu populaire qui va séduire le public local en priorité. Et puis, si en plus, on peut élargir sur le plan mondial, on est sûr de gagner le cœur des juges qui sont internationaux, ainsi que des patineurs étrangers qui vont dire « ouais, le superbe nouveau programme voilà. ». Nous, il fallait trouver des thèmes internationaux qui parlent aux gens. La difficulté de nos jours, c'est de trouver un programme qui… Parce que tous les films qui passent en ce moment, les films à succès, sont des films à gros budget de science-fiction, on va dire d'effets spéciaux, que je ne peux pas mettre moi dans un spectacle de glace parce que ça coûterait trop cher à mettre en place, surtout quand on se déplace. On n'est pas sur un spectacle où on est en résidence, où on peut créer comme le Cirque du Soleil le fond à Las Vegas. Donc c'est vrai que ça devient compliqué aujourd'hui de trouver des thèmes très populaires que tout le monde connaît.
Voilà. Donc sinon, la priorité, c'est un thème connu, ensuite une musique plutôt sympa, et si on veut faire composer une musique originale pour être le seul à patiner sur cette musique, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. En moyenne, un programme, on va dire, comme Lucky Luke ou des choses comme ça, où c'était ma première composition originale, même si on a repris des thèmes comme Le Bon, la Brute et le Truand, la musique de Lucky Luke, L'Homme semble pour Cowboy, bah, il fallait compter environ entre 10 et 15 000 euros d'investissement et 3 mois de boulot sur la musique. Ah ouais. Le costume ne m'a pas coûté bien cher, puisque c'était Daniel Echter qui me l'a conçu et qui me l'a offert à cette époque-là. Mais globalement, quand on monte je fais une production d'un numéro, c'est à peu près la somme qu'il faut entre la musique, les costumes, la chorégraphie, les heures de glace qu'il faut pour le monter. Puis après, je ne parle pas du travail au quotidien qu'il faut faire dessus pour arriver à son bien, quoi. Et alors donc là, pour la suite, pour la prochaine tournée, tu as déjà des idées en place pour un nouveau spectacle? Bon, bah, là, je suis un petit peu en fin de parcours. Pour Holiday on Ice, par exemple, qui s'est arrêté prématurément à cause de la crise sanitaire qu'on a tous connue et tous vécu, là, je devais m'intégrer dans un spectacle qui avait été conçu sans que je sois prévu à la base dans le spectacle. J'aurais dit, bah, y a une musique qui me plaît pas mal, donc je vais la prendre et je vais faire mon numéro dessus, qui était donc pour un spectacle de Supernova d'Holiday on Ice. Et puis après, pour le deuxième numéro, il fallait que je crée quelque chose qui soit plus dédié au public français, à ma carrière, parce que j'ai dit que c'était ma dernière tournée que je pouvais faire à cause du physique, parce que 84 dates en 2 mois et demi, je sais très bien que même si mon objectif final est de patiner jusqu'à mes 50 ans et de préparer un vrai show télé plus qu'un vrai show de tournée, c'est compliqué à faire. 84 dates, il faut être en forme physique, il faut pouvoir les enquiller, 3 shows le samedi parfois, de l'énergie à revendre pour le public, parce que lui, il vient voir celui qui vient à 14h, il a envie de voir la même chose que celui qui vient à 17h ou 21h. Donc, c'est tout cet aspect-là où aujourd'hui, bah, physiquement, je commence à peiner un petit peu parce que j'ai plus les mêmes ressources musculaires, ni la même énergie. Mais j'ai toujours l'envie, en fait, d'être là pour mon public. Quand le public est là pour moi, en fait, c'est une espèce d'alchimie qui se passe et voilà, ça booste, tout simplement. Et comment tu prépares cette reconversion? Est-ce que tu penses plus te mettre du côté producteur et avoir une équipe de poulains, entre guillemets, qui seront sur scène et tu mettras ton nom pour le spectacle? C'est vrai que la production me plaît assez bien et pourrait ressembler à assez proche de ce que j'aimerais faire. Après, producteur, j'ai été producteur, j'ai produit mes propres spectacles. Et malheureusement, je n'ai pas gagné d'argent en France avec ça parce que c'est compliqué, la France, pour produire. Je pense que tu sais de quoi je parle. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a trop de charges pour préserver en fait une exploitation d'un show. Il faudrait qu'on vienne nous taxer toutes ces taxes qui se rajoutent, qui représentent à peu près 35% des recettes quand vous êtes un producteur honnête. Du coup, à la fin, ça met en péril en fait l'existence de l'exploitation du show avec les 35 ou 40 personnes que vous faites vivre autour de cette production. Il faudrait mieux qu'on nous taxe sur les bénéfices avec un homme de loi qui vient valider un coût de production qui permettrait de dire, voilà, il n'est pas en train de nous arnaquer, en train de dire, voilà, chaque soir, ça lui coûte 100 000. Donc, tant qu'il ne dépasse pas 100 000 euros, on ne lui donne aucune taxe. Et en fait, c'est comme ça que je verrais, moi, plutôt l'exploitation des shows aujourd'hui, parce que ça devient dangereux pour nos métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui peut prendre des risques. Mais c'est vrai que c'est le métier de production qui me plairait bien, parce que ça me permettrait de mettre en place des idées, faire patiner des gens que j'aurais sélectionnés sur le volet, qu'ils soient de l'étranger ou plus en France aussi, parce qu'on a des très bons talents aussi en France. Et puis, je pense qu'à travers le spectacle sur glace, on a matière à démontrer que le patinage n'est pas seulement un sport, c'est aussi un art. C'est quelque chose où on vient se détendre, ça fait rêver les gens. Holiday on Ice a toujours autant de succès parce que le spectacle est diversifié. Il y en a pour tout le monde. Il y a des super costumes, des super lumières. Donc voilà, le sport, c'est une chose. On sait qu'on séduira toujours du monde, mais on pourrait séduire encore plus si on diversifie un petit peu ce qui a été diffusé en télévision. Alors, on t'a vu aussi, tu parles de la télévision justement, on t'a vu beaucoup en tant que consultant à la télévision avec Nelson Montfort, vous faites un super duo ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience que tu as vécue avec Nelson? Très difficile à vivre, Nelson. Vous savez, maintenant, on est paxé. Alors, vous voyez, là, ce soir, il n'est pas là. Il est parti faire un ménage, comme on dit dans le jargon de la télé. D'ailleurs, quand il rentre le soir, je lui fais faire le ménage aussi, parce que les gens en ont besoin. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, notre duo, voire notre trio, parce qu'il ne faut pas oublier Annick qui vient temporiser les deux
Oui. les deux tempéraments que nous sommes, et puis très, très à l'opposé, hein, c'est clair. Donc, on a amené un petit peu une pointe d'humour dans un monde de brut, si vous voulez, ou un monde abrut. C'est-à-dire que pour moi, le patinage, quand on a la chance d'avoir un gars qui n'a jamais regardé le patinage à la télé, qui tombe dessus et qui nous entend parler, il reste sur la chaîne. Il ne zappe pas. Et pour moi, ça, c'était un objectif, pas un objectif, mais c'était quelque part, c'était une réussite parce qu'on a amené plus de monde à regarder le patinage à travers ces petites séquences d'humour qui étaient complètement improvisées, qui n'étaient pas travaillées. C'était plus facile il y a 10 ans parce qu'on pouvait se lâcher complètement. Aujourd'hui, c'est vrai que on est un petit peu plus cloîtré dans un langage qui ressemble déjà plus à celui de Nelson qu'au mien. Mais voilà, on continue en fait à faire quand même des très bons scores en diffusion hertzienne sur des événements qui ne sont pas non plus annoncés comme le Tour de France ou comme Roland-Garros. Donc, on n'est pas à plaindre. On fait 1,5 million en moyenne de téléspectateurs un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau. On a une clientèle qui s'intéresse à nos champions français et qui, en plus, prennent plaisir à nous écouter. Alors, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'on parle trop sur la musique, mais ça fait partie d'un tout, en fait. Et je pense que si on a du patinage, c'est parce qu'il y a aussi nos champions et c'est parce qu'aussi il y a Nelson, Annick et Philippe qui sont là pour harmoniser l'ensemble. Donc, il faut que ça continue, sinon on verra plus de patinage à la télévision. Ça serait dommage. En tout cas, continuer comme ça, c'est vraiment un super divertissement. Et une dernière question, tu as un franc-parler. Est-ce que tu trouves que dans les médias, en général, hein, pas spécifiquement un média plus que l'autre, mais que la liberté d'expression a un peu régressé depuis ces dernières années? Ah bah, elle a été vachement bafouée, la liberté d'expression. Alors, c'est vrai que depuis Charlie Hebdo, on disait ouais, il faut laisser la liberté d'expression, les journalistes. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui d'avoir toute notre liberté pour nous exprimer sans être alpagué par les réseaux sociaux. D'ailleurs, Nelson dit souvent les fléaux sociaux. Parce que chaque parole qu'on va dire peut être en fait détachée de son contexte, de sa phrase, et dans ces cas-là, être pris un petit peu négativement. Alors que nous, on n'est pas là pour dire du mal des gens, on est là pour essayer de divertir. D'ailleurs, la télévision, dans la télévision, il y a du divertissement. C'est normalement une émission de divertissement. Le sport, c'est jamais convenu à l'avance. Les résultats sont jamais su à l'avance. Comparé à un documentaire qu'on veut orienter dans une certaine catégorie de fiction ou on va dire, d'émission. Mais le sport, mais laissez-nous parler, puisque c'est comme ça qu'on a connu notre succès. Et je pense que les Français ont besoin aujourd'hui de retrouver cette liberté de parole sans pour autant à chaque fois nous dire, ah ouais, t'as dit blanc, black, beurre, jaune, chinois, machin. Ah non, il faut arrêter ça. On n'est pas. Nous, moi, j'ai vécu dans une cité, tout le monde se parlait franchement, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des phrases et des mots qui sont validés pour ne pas être attaqués par n'importe qui. Et du coup, tout le monde utilise les mêmes mots, donc on a l'impression d'être les mêmes moutons enfermés dans le même enclos. Et maintenant, on va commencer à nous foutre des muselières. Sur ces moutons-là, d'habitude c'est les chiens, mais là c'est les moutons. On a l'impression d'être des moutons en plus attachés à un arbre et bientôt avec une muselière pour qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un peu. Moi, ça commence un petit peu à me fatiguer parce que je ne me sens pas à l'aise à aller à la télévision aujourd'hui pour sortir toutes les blagounettes que je pourrais sortir qui sont en plus jamais ciblées pour être méchantes. C'est vraiment pour se détendre, quoi. Voilà, et c'est ça qui devient un peu embêtant parce qu'il y a toujours des méchancetés gratuites, vous savez, dans les gens qui se cachent, et en plus c'est anonyme. Mais toi donc qui as tant fait qu'on le n'aura tour pas du fait monde un et qui es passé dans différents médias télévisuels à l'étranger, est-ce que tu trouves qu'à l'étranger c'est plus souple? Par exemple en on est Asie, assez tu as fait des télés au Japon? bah, c'est différent parce que nous en France on a connu la télé libre, on a commencé dans les années 80, c'était l'explosion de tout. On parlait de sexe, on parlait de drogue, on voyait les mecs fumer pendant les émissions de télé. J'ai même vu là, dernièrement, il y avait une émission qui parlait de racisme et c'était cru comme langage vis-à-vis des gens de couleur en France. Et donc on a connu un petit peu cette explosion de la radio et de la télé libre. Et On ce avait qu'on n'a pas Pollack, eu. nous, à l'époque. Ouais, puis moi ce que j'ai pas vu à l'étranger, c'est qu'en fait à l'étranger, ils étaient toujours très polis. La télévision était un côté très, très sérieux. Plus nos télévisions des années 70, par exemple, et même aux États-Unis, il y a des fois des émissions un peu loufoques, comme au Japon, mais c'est pas dans le langage, c'est plus dans l'action. Aux États-Unis, ils sont très puritains, ils parlaient jamais de sexe à la télévision, ou alors sur des sujets très très sérieux. Et c'est vrai que bon, bah nous, on a été un peu plus,
on a eu cette liberté de... On a appris avec la télévision, on a eu les premiers films érotiques, les premiers films porno, et donc c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on nous enlève en fait toutes, enfin les quadras ou les quinquas, en fait, on nous enlève un petit peu ce qu'on a vécu. Nos gamins, mes gamins d'aujourd'hui, en fait, ils sont pas malheureux parce qu'ils vivent dans cette notion du respect, de la bienveillance, d'être bien poli, de pas faire un pas de travers. Alors que nous, c'était même si on faisait un pas de travers, c'était pas grave parce que tout le monde faisait des pas de travers. Bon, en tout cas, Philippe, un grand merci d'être venu avec nous pour participer à cette émission des Talents Confinés du Grenier. Tu as failli venir au Grenier il y a quelques mois en arrière, et puis on était complet, on n'a pas pu te recevoir avec une équipe de potes, de patineurs. Donc j'espère que tu reviendras chez nous avec grand plaisir très vite. Il va falloir que tu changes le titre parce que les confinés, ça y est, c'est fini. Puis je ne peux pas parler de malheur. Hein. Alors, justement, tu me fais une belle transition parce que l'émission va s'arrêter le 20 juillet, en fait, puisqu'on avait créé ça pendant le confinement. Et effectivement, on va jusqu'au 20 juillet avec les confinés du Grenier. Puis on reviendra peut-être à la rentrée avec une nouvelle émission, voilà, parce que ça a été vraiment suivi. Et ce qui apprécie beaucoup les gens dans cette émission, c'est qu'ils rencontrent des artistes, des vedettes, des stars comme toi, dans un autre angle qu'en vedettariat, en toute simplicité, en toute convivialité. C'est ce qui plaît beaucoup, beaucoup aux gens qui ont suivi ces émissions. Voilà, Philippe. Donc, c'est un petit peu les côtés positifs, on va dire, du confinement. C'est-à-dire que grâce à ces outils multimédia, téléphone, tu vois, on ne se voit pas, on n'est pas dans une ambiance où il y a du public. On se sent un petit peu plus dans la confidence avec celui qui nous interpelle, comme on dit toi ce soir. Et en fait, on ne fait pas attention, peut-être, on fait abstraction des gens qui peuvent nous écouter, nous découvrir dans un autre format, qui n'est pas dans un format trop concentré, trop fermé, comme on pourrait l'avoir sur une vraie émission de radio, une émission de télé. On n'est pas timé, tu vois. Exactement. Et je pense que les gens ont besoin de revenir un peu au naturel et de redécouvrir les gens comme ils sont. Ça fait partie de mon ADN, c'est pour ça que je veux la garder, la conserver, et celui qui ne veut pas de ça à la télévision aujourd'hui, je vais pas y aller, quoi. Voilà, il faudra que je quitte malheureusement à ce milieu. Écoute, Philippe, un grand merci, je te dis à très vite. Encore un petit coup de promo sur ton site où on peut retrouver toute l'actualité, en tout cas le parcours de Philippe, philippecandelro.fr. Et puis, Philippe, j'espère vraiment qu'on se verra au Grenier très vite, en chair et en os. Avec plaisir, et puis bon retour à la normale pour tous ceux qui nous écoutent, et puis tous vos amis, vos proches, voilà, j'espère qu'on ne reconnaîtra pas une deuxième vague avec tout ce qu'on a vécu, parce que quand ça freine le spectacle, l'entertainment, et la sortie, ça devient compliqué, les gens deviennent fous, donc on est déjà assez fous comme ça, on n'a pas besoin de ça. Allez, je vous embrasse. Merci Philippe, merci, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà les amis, on avait donc notre ami Philippe Candelro à l'instant dans cette 7e émission des Talents Confinés du Grenier. J'enlève mon oreillette parce que je suis plus à l'aise sans mon oreillette. Voilà. Je voulais vous dire que cette émission a été réalisée en partenariat avec Lolo Décroche la Lune Productions. Je voudrais vous dire que, comme je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, cette émission va aller jusqu'au 20 juillet. Nous terminerons le 20 juillet avec une spéciale Aix-les-Bains, parce que c'est ma région, c'est ma ville. Je vais me produire le 5 septembre prochain à Aix-les-Bains. On aura le grand plaisir d'être avec le maire de la ville d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti, qui est maire d'Aix-les-Bains et à la fois président de la culture de la région Savoie. Donc on aura plein de choses à se dire, avec des personnalités incroyables, une fois de plus. Je voudrais aussi vous dire que j'aimerais ce soir dédier cette émission à Titi et toute sa famille qui en était très proche et qui doit me regarder de là-haut. Voilà, je vous dis à lundi prochain. Un des invités, déjà, on l'a lundi prochain, Guillaume Meurice, un humoriste incroyable qui passe sur France Inter et à la télé plein de scènes. Donc Guillaume Meurice sera avec nous. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.